Aujourd'hui, on ne peut plus se lancer en affaires ou gérer son entreprise de la même façon qu'on le faisait il y a 5 ans ou 10 ans. En fait, on ne peut même plus le faire de la même façon qu'on le faisait l'année dernière. Pourquoi? Voici trois raisons simples. Premièrement, parce que l'environnement d'affaires est constamment en mouvement. Il faut savoir s'adapter rapidement. Vous pouvez avoir eu une bonne idée il y a 6 mois, mais aujourd'hui, cette idée-là, peut-être qu'elle ne vaut plus rien. Deuxièmement, parce que le marché, tôt ou tard, vous récompense pour vos bons coups, mais également vous rattrape pour vos mauvaises décisions et vous punit. Troisièmement, comme toute chose, parce que les clients aussi ont évolué. On n'est plus à l'époque où ce qu'on dit aux clients quoi acheter et à quel prix. Aujourd'hui, les clients sont informés, ils sont intelligents et c'est eux en fait qui nous disent ce qu'ils ont besoin. Aussi, le concept de loyauté client, ça n'existe plus. Le client va toujours se diriger vers l'offre qui est la plus attrayante. Alors, comment faire face à ces trois défis? Alors, tout simplement en s'éduquant, en s'entourant des bonnes personnes et surtout en s'entourant des bons partenaires d'affaires qui vont vous aider à faire face à ces défis quotidiens et trouver les solutions appropriées pour votre entreprise. Je m'appelle Reginald Exumé, président de REM4, une firme de conseillers d'affaires spécialisée en stratégie d'affaires et performance d'entreprise. On aide justement les entrepreneurs, petites et moyennes entreprises, à faire face à leurs défis quotidiens d'affaires et à atteindre le but ultime qui est quoi? Augmenter le chiffre d'affaires et la profitabilité. REM4, catalyseur de rentabilité.